Bonjour à tous, c'est Electric Art et aujourd'hui je vais faire un gameplay sur un jeu que j'ai essayé. Et je croyais faire une série sur ce jeu-là, mais en fin de compte j'ai décidé de pas faire de série du point de vue que vous allez voir pourquoi j'ai pas beaucoup aimé. Donc il y a beaucoup de choses que d'un jeu, j'avais déjà joué à un jeu semblable en plus, j'ai même pas passé à travers, c'était un jeu qu'on jouait seul. Et là, je vais vous montrer ce jeu-là. Je vais vous le montrer quand même pour ceux que ça intéresse à voir c'est quoi que ça a de l'air. Donc on se crée un personnage au début et je vais vous dire on n'a pas beaucoup de choix. Je crois on a à peu près 8 choix pour les visages, 8 choix pour les cheveux. On n'a pas vraiment beaucoup de choix. Dans les classes, on a choix entre 3 classes. On peut soit être humain ou un extraterrestre. Je sais pas si vous connaissez Defiance, là, c'est basé sur la série à la télévision. En ce moment, je crois qu'elle passe encore. Défiance, c'est le nom d'une ville, je crois. Donc, on va commencer une partie. Vous allez voir c'est quoi ça a l'air. Là, je vais commencer avec mon personnage que je m'étais fait. Je l'ai essayé. J'ai fait des vidéos dessus pour peut-être faire une série. Puis, à fin de compte, j'ai changé d'avis. C'est pour ça que mon personnage est de refait. Donc, je vais vous quand même montrer un peu c'est quoi ça a l'air. Je vais vous dire un peu pourquoi que j'aime pas beaucoup ça. C'est quand même bien fait du point de vue que c'est rare qu'on voit des Encore une jeux belle journée à la nouvelle frontière. avec comment je dirais ça, avec des armes à feu dans un futur. Donc on est comme dans le futur en réalité. On ferme ça. Et là vous voyez le personnage, c'est ça que j'aime pas. Je crois que j'ai jamais réussi à changer l'apparence du personnage. Je peux changer. Je me souviens plus si je suis capable de le. Ça c'est pour le vise. Parce que là je suis avec une arme à sniper en ce moment. Comme ça. Il me semble que j'avais un moyen de. C'est pour tirer. Donc vous voyez que déjà en partant, un jeu avec un personnage de même dans l'écran, j'aime pas ça. Munition pareille. C'est pas très. Ensuite, on a. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est quand même. Les armes à feu. Vous allez découvrir des armes à feu vraiment bien faites. Comme là en ce moment, regardez si je veux, je peux aller choisir les armes que j'ai trouvées et les changer avec cette arme-là. Je peux les. Mettons que je dis, gars, je veux voir la différence entre les deux. Je suis capable. Il y a quand même des choses de bien fait, mais j'ai quand même pas accroché. C'est dommage parce que j'ai quand même aimé un peu la série. Sauf que là, j'ai pas vraiment accroché. On a des pouvoirs parce qu'on a un genre de ego dans le cerveau, mettons comme un appareil qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et ensuite on a récupération, il y a beaucoup de choses. Le système de, moi j'avais choisi la surcharge, ça augmentait les dégâts de 15%. Et ensuite on peut débloquer les autres autour pour débloquer de plus en plus loin. Et c'est comme ça qu'on pouvait débloquer nos compétences et avoir plus de compétences. C'est quand même bien fait comme système, mais j'ai toujours mieux aimé. En plus, on avait le choix entre 4. Moi, j'ai choisi celle-là. On pouvait choisir aussi entre le leur. C'était faire comme un faux. Comme une image de vous. Et là, les ennemis attaquent l'image au lieu de vous attaquer. Et là, vous pouvez les détruire. Ensuite, il y avait aussi le camouflage que beaucoup de monde prennent dans le jeu. Ça, c'est quelque chose. C'est devenir invisible. C'est quand même le monde aime beaucoup ça, donc c'est quand même plus facile peut-être en venant invisible, vous pouvez contourner les ennemis, les attaquer par derrière. Ensuite il y avait la vitesse, c'était le flash comme il appelait, c'est pour aller plus vite, la vitesse de déplacement de 50%. Ça j'aurais pu prendre ça par exemple, ça aurait été intéressant. Ensuite il y a les bonus. Je peux pas trop vous expliquer tout parce que j'ai pas vraiment, mais vous pouvez voir un peu c'est quoi que ça a de l'air. Ça c'est la monnaie. On ramasse en faisant des missions, on ramasse de la monnaie, on ramasse toutes sortes de monnaies. En ce moment, j'ai 355,99 comme ça. Je sais pas c'est quoi en réalité, avec 439,48 vers de même. Et ici, je pense c'est comme des clés. J'en ai 3 en ce moment. C'est comme des clés. Ensuite, l'inventaire. Ça c'est des inventaires qu'on a. On a toutes sortes de choses. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez choisir, mettons, une arme, puis trouver une meilleure arme plus
tard. Et les armes, quand ils sont vertes, c'est qu'ils sont mieux que les armes qui sont d'un autre couleur. Comme l'impulsion en rayon, celui-là, disponible pour détonateur. Il y a des modes aussi qu'on peut... En tout cas, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas beaucoup accroché vraiment. C'est pas un jeu que j'ai accroché. Ensuite, j'ai été voir des vidéos. Le Cyber Rig équipé, je sais pas c'est quoi. Moi, je crois que c'est peut-être un genre d'armure robotisée qu'on peut avoir plus tard, je sais pas. Là, j'ai pas été assez loin pour savoir. Et de toute façon, c'est dommage, mais en tout cas, j'ai pas vraiment. Je trouvais que les personnages étaient quand même bien faits. Regardez le costume avec le bras jaune. C'est un nouveau costume que m'était trouvé. Donc, les costumes sont quand même bien faits. Les graphiques sont bien faits. Il n'y a pas rien à dire de ça. On peut regarder Lego aussi. On est dans Lego en réalité. Non, faut que je le tienne. Ok. Lego, on avait le personnage, ce qu'on est en ce moment. On avait les objectifs. Ensuite, le social, parler avec les gens. Faut vous appuyer sur la barre d'espace si vous le tenez. Matchmaking. Ensuite, les paramètres, c'est ici. Et les boutiques de Defiance. Des choses qu'on peut acheter avec de vrai argent. Que moi, comme vous savez, je suis pas vraiment pour ça. Donc, c'est très rare que je m'achète de quoi sur un jeu. Ensuite, des choses top secret. Et la carte. Alors, je peux vous montrer la carte. Est immense. Pour vous dire, là, moi, j'ai même pas encore marché le 1/10 de la map. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est assez impressionnant comme map. Moi, j'ai commencé ici. Et puis, je pense que le plus loin que j'étais allé, c'est là. Ici, je peux aller plus loin que ça. Et c'est quand même assez grand comme map. Et je crois que, ici, regardez, on est encore plus loin encore. Regardez. On peut descendre vraiment en bas. Ici, c'est plus les hauts niveaux. C'est vraiment les gros niveaux. Puis les niveaux, c'est ça qui est bizarre. Ça marche pas pareil. C'est pas pareil que dans les autres jeux. En ce moment, là, si on regarde mon personnage, je sais pas si je le vois quelque part. On va quitter le menu. En ce moment, je suis niveau 84. Ça monte très rapidement. Là. J'ai joué pas longtemps. Là. J'ai joué quelques heures dessus. C'est juste pour vous dire. Pour changer d'arme, c'est la molette de la souris. Regardez. Là, je viens de prendre mon sniper. Et là, j'ai pris mon autre arme qui marche au nucléaire. Et oui, au nucléaire. Ensuite, si vous voulez voir les missions. En ce moment, les missions, regardez les points ici, c'est des missions parallèles. Ok. Ensuite, on a le camp pour aller acheter des fournitures. Ensuite, les munitions, hein, c'est très difficile d'en avoir longtemps. Les munitions, on les perd très rapidement. J'en ai manqué souvent. Donc, faut faire attention à ça. Donc, les missions parallèles, c'est des missions un peu, je crois qu'avec. Avec d'autres joueurs. En tout cas, chaque mission que vous faites, vous pouvez les faire avec d'autres joueurs. Ça, c'est assuré. Et souvent, là on n'en voit pas parce que... Ah oui, on en voit ici. Non, délai d'impact, c'est pas ça. Quelquefois, il y a des retombées d'arches, comme ils appellent. C'est rouge comme ça. À ma droite, c'est écrit. C'est comme si les extraterrestres voulaient installer quelque chose. Il faut les le détruire. C'est vraiment comme ça, là. Et là, si vous arrivez là tout seul, impossible à faire. Faut que vous attendez que d'autres personnes arrivent pour vous aider. Donc, c'est bizarre. Moi, je pensais qu'on pouvait s'en tirer seul, mais c'est pas vraiment un jeu qu'on peut jouer seul. Et ce que j'aime pas, c'est qu'on voit vraiment le personnage gros comme ça. On veut pas le rapetisser. Et ensuite, pour viser, c'est vraiment avec... Et si vous voulez charger, c'est ici. Là. Comme là, regardez, là, ici, je peux charger en munitions. C'est ici. Donc... Ça, c'est pour frapper. Et ici, c'est pour... ok, c'est E. C'était E. Ok, je fais le... Faut le tenir. Et là, je viens de tout prendre des munitions pour... comme tantôt, j'ai tiré deux coups avec mon fusil à lunettes. Et là, c'est là que j'ai récupéré deux balles. Et ici, c'est pour... quand vous allez avoir des plaques d'armure pour réparer votre équipement de plaques d'armure. En ce moment, j'en ai pas. Donc, on va aller voir... C'est parti! Aussi, c'est vrai, on peut faire apparaître un squad CV. Au début, on a ceci qu'on a après quelques missions là, qu'on peut prendre. On embarque dessus. C'est pas évident à conduire en plus, donc.
Donc je vais vous montrer une mission et ensuite on va arrêter la vidéo. C'est rien qu'un gameplay pour vous montrer un peu comment ça marche. Hop, et là je viens de croiser une araignée. Je crois que je m'en vais dans la mauvaise direction. Et là, regardez ici, là, on a sensiblement quelque chose. Regardez, il y a une mission ici. Donc là, on va débarquer. Terrain formation production E. Et là, vous avez votre mission. Terre a une mission à confier à un agent extérieur. Vous faites accepter. Je sais où aller. Ça y est. Et là, il va, sur votre carte, vous allez avoir comme une étoile où vous allez par là. L'étoile jaune. Et on a même le gars 138 mètres, on voit là. On peut courir en appuyant sur Shift si on veut. Et là, on voit c'est jaune. Trouver l'ordographe de VBI. Donc, c'est ça qu'il faut. L'ondographe. Ah ouais. Donc, faut trouver ça. Et là, je crois que c'est en haut de ça en plus. Il faut remonter là-dessus. On va passer par le pont. Monter là. Et là, vous voyez ici, il y a des ennemis. Là. Oh, il m'a vu. On peut appuyer pour. Remonter. On peut aussi, je crois que ça, on peut se mettre à couvert là. Quand je vous disais que les munitions sont dures à trouver, c'est du point de vue que. Faut vraiment aimer les combats. Et certains ennemis là sont très difficiles à tuer, pour vous dire. Je vais le trouver impressionnant. Donc là, on va aller ramasser ça. Ça recharge. Donc on va arriver. C'est tout le temps comme ça. Et en plus, même si vous faites une mission, si vous appuyez comme ça, vous allez marcher tranquillement. Et ça, c'est pour. Donc, vous pouvez courir aussi. Attention, c'est un piège! J'ai encore des grenades. Toutes les cibles sur ta terre. Joli. Donc là, on avait réussi au moins à. Voilà les données qu'il nous faut. Là, faut tenir le E. Et ça y est. On lève le camp. Donc, cette mission-là, c'est le fun parce que j'ai pu vous montrer le jeu un peu et en plus, cette mission-là est quand même assez facile. Donc, faut retourner au camp, il disait. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon 4 roues. Et voilà. Je me laisse pas facilement impressionner, mais sur ce coup-là, chapeau. Donc, comme vous pouvez voir, mon arme, j'ai vraiment trouvé une arme intéressante. Cette arme-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante à jouer.
Elle donne beaucoup de dégâts. Avant, j'avais une arme qui donnait même peut-être plus de dégâts. C'était plus une grosse arme à deux mains. Il fallait la tenir à deux mains. Comment je dirais ça? Quasiment attachée à la ceinture parce qu'elle était très lourde. Celle-là, je la trouve vraiment plus intéressante. Et elle fait du dégât. Elle fait du dégât quand même. Même si elle en fait moins. Mais quand même, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est quand même... Vous voyez, les graphiques, c'est très bien fait. Là. On peut pas dire le contraire. Là, comme là, en ce moment, vous voyez, il y a un joueur là-bas. Je sais pas si... Tous les points qui sont comme lilas, lilas ou violet ou rose, comme vous pouvez... c'est des joueurs... c'est d'autres joueurs. Regardez, là, je pourrais venir l'aider, si je voudrais, dans sa mission. Là, je sais pas s'il fait une mission ou quelque chose. Je peux aller... On peut aller changer, je sais pas. Ça, c'est des fournitures, ok. C'est des fournitures qu'on peut acheter. Je peux peut-être vous le montrer. Donc j'appuie. Et là, c'est des choses comme... Moi, je me suis acheté un casque dernièrement. Ça nous prend de l'argent. Comme là, regarde, j'ai 3706. Et là, on a des casques. Ça, c'est des casques. Vétérans, tout ça. On a aussi... ça, c'est une arme qu'on peut acheter. Là, en ce moment, c'est une arme électrique. C'est ça qui est le fun pour ça. Les armes, c'est vraiment... chaque arme a leur force. Comme là, celle-là est électrique. Elle que j'ai en ce moment, elle fonctionne... au nucléaire, par les radiations. Donc, c'est vraiment intéressant, vous avez toutes sortes d'armes comme ça. Comme celle-là, là, bon, il reste encore 41 minutes qu'on peut l'acheter, pour l'essayer. Et là, si vous voulez, je pense, on peut comparer. Mettons qu'on dirait, je veux comparer, mais mettons avec mon arme nucléaire. On prend les deux armes, et là, on peut comparer. On descend. Et là, regardez, le dégât, c'est 116 x 8. x 8, ça doit être des dégâts, je crois, à cause de l'électricité. L'électricité va donner du dommage. Donc, x 8, ça doit être l'électrocuté du monde. Là. Donc, moi, les dégâts, c'est 206. Vous voyez, ça s'en ressemble quand même, mais x 8, c'est intéressant. Les cadences de tir, on voit que les cadences de tir, moi, j'ai pas vraiment de cadence de tir. Mais celle-là, ici, en a. Une meilleure cadence de tir avec cette arme-là, la nouvelle arme. Ensuite, les coups critiques. Elle a des bons coups critiques. Comparé à moi, j'ai des meilleurs coups critiques. Quand même. Ensuite, la recharge. J'ai une bonne recharge. Comparé à cette arme-là, qui recharge peut-être plus lentement que moi. On peut le voir ici, justement, recharge 3 secondes. Ça doit être 10 secondes, je crois. Et moi, c'est 1.7. Donc, ça recharge plus rapidement. La précision. Regardez tout de suite, là, la précision est peut-être meilleure avec l'arme électrique. La dispersion, ça, c'est... si vous lancez, mettons, l'électricité, il faut vous arriver direct sur... Moi, si j'arrive un peu à côté, je peux blesser quand même un peu la personne à qui je tire. Ensuite, j'ai beaucoup de choses. Régénération à hauteur de 5%, taille du chargeur, 10%. J'ai des choses de plus qu'il n'y a pas ici. Donc, vous voyez, on peut comparer les armes qu'on veut acheter. Comme ça, c'est des armes spécialisées. Que vous pouvez vous acheter. Ça, c'est... Je vais vous dire une chose, ça, pour les armes, je pense que ce qui est mieux fait dans le jeu, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est pour le coffre. Ah oui, le coffre. C'est, mettons que vous ramassez, comme ça, c'est des clés, comme je vous disais tantôt, qu'on ramasse. En ce moment, j'en ai juste 3. C'est très, très long à ramasser. Et là, vous pouvez débloquer avec les clés des choses spéciales. Donc, c'est quand même intéressant. Sauf que sur certaines, ça va prendre comme ici, le coffre élite premium de l'amnistice, puis le mod box épique. Ça, c'est juste avec de la vraie argent que vous allez pouvoir vous acheter ça. C'est comme tous les jeux, hein. Il y a tout le temps des choses qu'on peut acheter avec de la vraie argent. Moi, je le fais pas. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas si on a le temps. Ouais, non, je crois que je vais laisser faire. J'ai à peu près 15, 20, même peut-être 25 minutes de fait. Donc, c'est pas mal ce jeu-là qui est comme ça. Et vous pouvez aller voir. Ici, on a justement le quartier général là, qu'on avait trouvé au début. Ça, c'est l'officier qui nous a parlé tantôt. Donc, c'est vraiment quand même bien fait. On a aussi les... j'ai même pas pris mes compétences. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup de difficulté à utiliser. D'habitude, dans les compétences, on a tout le temps... Dans les jeux, on a tout le temps les compétences qui sont en bas de l'écran.
Et là, on les a pas vraiment. Je les vois pas les compétences. À moins qu'il y avait peut-être si j'arrêtais dans les options, les paramètres, j'aurais pu changer puis trouver. Comme là, regarde, si j'appuie sur 1, là j'ai ma puissance que j'avais, je vous parlais tantôt, là, la force, la puissance. Regardez, les bras là, sont comme jaunes. Ça veut dire que les prochains coups que je vais lancer, mettons les prochaines balles que j'atteins une cible, vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus de dégâts. Donc, et on a d'autres choses aussi qu'on peut mettre, on peut changer, mais là je n'ai pas encore mis. J'ai-tu d'autres choses à vous montrer? Ensuite... carte, les objectifs, on peut voir un peu les objectifs la saison 1, on voit vraiment c'est comme dans la série. Les contrats, saison 1 et puis là je n'ai pas d'ouvert. Ça se voit c'est 000, je n'ai pas fait. Donc prérequis. C'est sûr que c'est un jeu que j'ai pas beaucoup joué encore. Regardez-moi ce ciel là, c'est quand même bien fait. C'est fini la marche à pied. Les autres joueurs, ça c'est un autre joueur. Il s'appelle Ajax. Bienvenue dans ma vidéo. Il sait pas là, que je filme. Mais. Donc c'est pas mal ça ce jeu là. Moi j'ai pas accroché. Vous allez dire, ah oui, mais gars, la mission que t'as faite était facile. Oui, elle était facile, mais il y a beaucoup de missions qui est très difficile à faire. Vous allez mourir, si vous faites pas attention, vous allez mourir très rapidement. Souvent, il faut que absolument vous soyez avec d'autres personnes. Et souvent, quand on a une mission à faire, puis vous allez dans le jeu, puis il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est difficile de trouver quelqu'un pour faire vos missions, là, parce que la carte est tellement grande. Il est peut-être vraiment ailleurs, lui, là. Fait que... vous pouvez quand même parler dans zone, regardez, là, je pourrais écrire de quoi dans zone et peut-être me trouver du monde pour m'aider. Et je crois que c'est un jeu qui joue mieux si vous avez des amis. Mettons que j'aurais quelqu'un à côté de moi avec son portable, puis là moi je jouerais avec mon portable, puis là on dirait ok, tu sais on se parlerait de même, ça serait mieux. Ou si vous avez, moi comme moi j'utilise souvent le TS dans World of Tanks, donc si vous avez le TS, vous pouvez peut-être faire des games comme ça. Du point de vue que, mais regardez, les effets lumière sont quand même bien faits. C'est sûr que le côté arme à feu, c'est vraiment bien fait. Je voulais faire une série dessus. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est du point de vue que après le troisième épisode que j'avais fait, c'était pourtant, on dirait que c'était là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais la même mission que j'avais déjà faite. Sauf que je faisais la mission avec quelqu'un qui l'avait décollé. Donc, je l'ai aidé, mettons. Donc, c'est juste pour vous dire que comment ça fonctionne. Comme je pensais à ça, là, si je jouerais encore, je pense que je l'aurais pris l'arme électrique. Du point de vue que moi, c'est mon pseudonyme, c'est Electrical. Donc, ça aurait été drôle. En ce moment, j'ai rien qu'une arme, ça aurait été drôle. Donc elle qui a passé là, c'était une extraterrestre là. Je sais pas son là. Il y a plusieurs costumes, plusieurs maquillages, là. Comme lui, il y a même un maquillage. Donc, c'est quand même un jeu bien fait, je trouve, pour les armes à feu. Je crois qu'ils sont vraiment. Puis des graphiques. Je crois que c'est ça qu'ils ont vraiment forcé dessus. Les graphiques et toute la mise en place des armes à feu. C'est sûr que dans la série Defiance, des fois, il y a des belles armes à feu. Genre futuriste. Mais moi, j'ai pas accroché du point de vue que je trouvais que c'était du redondant, on peut dire. Ça recommençait souvent. J'aidais quelqu'un avec sa mission que j'avais déjà faite. Et quand vous faites une mission avec d'autres personnes, vous pouvez... comment je dirais ça, il va y avoir un classement. Mettons qu'on est 5 à l'affaire, il va y avoir un classement, et si vous avez tué beaucoup plus de monstres, vous allez être dans le numéro 1 du classement, et ça va vous donner plus de XP. Donc si vous faites une mission à vous, et qu'il y a 4 personnes qui viennent vous aider, et que vous avez beaucoup de difficultés, et que les autres n'ont pas de difficultés du tout pour vous aider, donc vous allez avoir moins d'XP, vous allez XP moins vite. Donc
Et je vais vous dire, là, comme je vous disais, pour les. Comme là en ce moment, je suis niveau 88, les niveaux, ça monte très rapidement. J'ai déjà vu un gars dans les 400. Juste pour vous dire, là, ça va. Ça monte très rapidement. Donc, c'était ma vidéo pour le gameplay pour Defiance. J'espère que vous allez l'apprécier. Moi, je crois pas que je vais rejouer à ce jeu. Mais si vous voulez l'essayer, en tout cas, vous avez vu un peu c'est quoi. J'ai réussi même à faire une petite mission avec vous pour vous montrer un peu c'est quoi. J'espère que vous l'avez aimé. Donc, c'est Electric Heart qui vous dit à la prochaine et bon combat.